45, 149, 148. Mon avis, celui-là, ça doit être un C-Tourer 2. On va le voir. J'espère qu'ils seront ouverts. Comme ça, je te montre les C-Tourer 2. Tu vois, ce qui change, c'est le gros C qui est là devant, qui fait Carthago et oui, c'est un C-Tourer 2. Ben, c'est bien, je vais pouvoir rentrer dedans s'il est ouvert. Et comme ça, on va voir. Ah, ça, je suis content de pouvoir te le montrer. Tiens. Voilà. Évidemment, je ne pense pas que ça va être révolutionnaire au niveau. Par contre, tu vois, dans cette soute, elle est immense et tu peux mettre jusqu'à 350 kg. C'est donc le Carthago C-Tourer 2. Est-ce qu'il est ouvert? Oui, extra. Donc, classique, hein, avec les points de fermeture. La porte, c'est comme d'hab. Là, c'est haut. Tu as une marche en dessous, hein, évidemment. Regarde un peu. Mais c'est du Carthago, quoi. Je pense que le C-Tourer 2, c'est vraiment au niveau du design, tu vois. Voilà. Là, on retrouve la nouveauté du 145 de l'année passée. Elle est bien. Franchement, tu as déjà vu les matelas. C'est une qualité vraiment de chez... bon, c'est les ouvrir, etc. Mais je ne vais pas m'amuser. Là, il faudra tester. J'espère qu'il y en aura dans les concessions. Comme ça, je pourrai aller les visiter. Hop. Toilette. Ah, je vais peut-être allumer ma lampe. Voilà, tu vois. Toilette un peu classique, quoi. Bon. Il est à visiter parce qu'il m'a l'air vraiment bien. Ah, je vais te montrer le 6.1. Regarde. Regarde la soute, tu sauras mettre une moto ou même deux petites mobilettes. Tu avais l'électrique, on n'en parle pas, évidemment. J'ai déjà fait le 6.1. Regarde, les batteries. Tu as hop, hop, trois batteries, tu vois. Voilà. Non, je ne sais pas quel type de batterie c'est. Aucune idée. Voilà. Alors, on va continuer le tour. Tu vois, de nouveau, tu verras les nouveaux véhicules. Tu as le grand C devant, au-dessus, quoi. C'est un Mercedes, mais il est... Je vais vite rentrer dedans, hein, s'il est ouvert. Alors, pour l'ouvrir, tu vois, c'est avec une radio une commande. Ouais, c'est ouvert, extra. Hop. Voilà. Regarde les charnières, hein. Là, c'est du métal et ça, c'est bon. Hein. Ça, c'est bon. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Ça, c'est bon. Hop, regarde l'intérieur. Bon, c'est pas encore ouvert, hein, donc. Mais regarde l'intérieur, comme c'est grand, quoi. Tu vois. Et là, je me demande s'ils n'ont pas retravaillé parce qu'ici, la TV, elle est juste au-dessus du coussin. Et waouh. Vraiment, là, regarde. Ça, t'as une image, t'as même des pattes en prime. Voilà. Tout ça se ferme électriquement, donc ça, tu ne perds rien. Tu as une marche là, un interrupteur, je ne sais pas à quoi il sert. Tu as vraiment la salle d'eau, regarde. Waouh. Et c'est des lits jumeaux, et je pense que tu peux l'avoir aussi avec un lit central. Carthago, c'est top, hein. C'est top. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai été voir leur usine, franchement, top, hein, top, franchement. Globalement, hein, c'est la même chose sur les grands modèles, ils n'ont pas changé grand-chose, mais globalement, c'est le devant, évidemment, qu'ils ont retravaillé, et ça, c'est plutôt chouette. Enfin, je trouve, hein, là, c'est les deux préférés, c'est les deux que j'adore. Il y en a un, il est plus long, celui-là, c'est sûrement sur le Fiat. Hein. Oui, c'est le plus court, ça. Et là, juste à côté, il est plus long. Tu as une soute, une plus grande soute. Voilà. Mais sinon, c'est mes préférés. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Cliquer sur un cœur et me soutenir à ta meilleure convenance. M'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables, comme par exemple... un parapluie
ou un mug pour ton café ou ton thé. Merci d'avance. Pour rejoindre ce club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao.